Zang, Jordan, Zorge, Jonam, La, Jangu, Bado, Dane, Jazuji, Dage, Jinin, Gibe, Zunam, Gin, Dola, Benje, Zangi, Duba, Zang, Chedan, Sogi, Jonam, Jangu, Bado, Dane, Jazuji, Dage, Jinin, Gibe, Zunam, Gin, Dola, Benje, Zangi, Duba, Zang, Chedan, Sogi, Jonam, La, Jangu, Bado, Dani gözü dagi jeni gibi zunam gi dola bence zangi rubarajo. On va prendre ensemble la lecture de la lumière de la voix jusqu'à la strophe 23 incluse.
Au Bodhisattva Manjushri, toujours jeune, je rends hommage à tous les victorieux des trois temps, à leur enseignement et aux communautés. Avec grand respect, je rends hommage à la requête de mon excellent disciple, Jianchu E. Je vais ici faire toute la lumière sur la voie qui mène à l'éveil. Comme ils s'avèrent inférieurs, médians ou supérieurs, les êtres sont réputés se répartir en trois catégories. Leurs caractéristiques sont très claires et je vais décrire leurs traits distinctifs. Celui qui, par tout moyen, ne recherche que les seuls bonheurs du cycle des existences dans son intérêt personnel, est connu en tant qu'être inférieur, de par sa motivation. Celui qui se détourne des plaisirs du samsara et se garde des karmas mauvais, mais ne recherche que sa propre libération sans plus, est un individu qualifié de médian. Celui qui, partant de ses propres souffrances, veut à tout prix éradiquer toutes les souffrances d'autrui, cet être-là est supérieur. À l'intention des êtres excellents qui aspirent à l'éveil suprême, je vais exposer la sublime méthode révélée par mes maîtres. Tournez-vous vers une image du Bouddha accompli, un stupa ou le parfait dharma, et faites offrande de fleurs, encens et tout autre objet dont vous disposeriez. Effectuant de plus les 7 offrandes énoncées dans la prière royale, et avec les pensées irréversibles jusqu'à la complétude de l'essence de l'éveil, mues par une foi totale envers les 3 joyaux, mettez-vous à genoux et joignez les mains. Commencez par prendre refuge 3 fois de suite. Ensuite, ayant développé l'amour envers tous les êtres en guise de préalable, observez-les tous qui souffrent de naître dans les 3 états infortunés, de mourir, transmigrer, etc. Alors, poussé par le désir de libérer les êtres des souffrances douloureuses, des souffrances déguisées et des souffrances causales, en prenant l'engagement de manière irrévocable, produisez l'esprit d'éveil. Toutes les qualités générées par les pensées d'aspiration à l'éveil sont magnifiquement exposées par Maitreya dans le Gandhavya Sutra. Aussi lisez les sutras et écoutez-les du maître, jusqu'à pénétrer les infinies qualités de l'aspiration à l'éveil complet, et afin de le cultiver, produisez de la sorte l'esprit d'éveil encore et encore. Ces qualités, très bien décrites dans le sutra à la demande de Viradatta, je vais ici les condenser en 3 strophes environ. À supposer que les mérites de l'esprit d'éveil prennent forme, ils empliraient l'espace entier et même ils en déborderaient. Entre celui qui emplirait de gemmes des terres de Bouddha en nombre égal aux grains de sable dans le Gange et offrirait le tout au protecteur du monde, Avalokiteshvara, et celui qui, joignant les mains, rend hommage à l'esprit d'éveil, l'offrande de ce dernier est infiniment supérieure car elle n'a pas de limite. Après avoir généré l'aspiration à l'éveil, de toutes vos forces, appliquez-vous à toujours la développer. Et afin de vous souvenir de votre but, dans vos vies ultérieures aussi, observez pleinement les entraînements prescrits. Faute des vœux, qui sont l'essence de l'esprit d'éveil et engagement, l'aspiration excellente ne peut s'intensifier. Si vous souhaitez épanouir vos vœux de complet éveil, il vous incombe alors de vous efforcer de les prendre. Qui maintient continuellement en lui les autres vœux des éclats de Pratimoshka et a toute qualité pour prendre les vœux de Bodhisattva, mais pas sinon. Au sein des 7 classes de Pratimoksha, le Tathagata a énoncé que la splendeur de l'abstinent est suprême. Il désignait par là les vœux de moines pleinement ordonnés. Par le rituel décrit dans le chapitre de l'éthique des terres de Bodhisattva, prenez les vœux de Bodhisattva auprès d'un bon maître qui possède les caractéristiques requises. Celui qui est versé dans les rituels d'ordination cultive lui-même les observances et a la patience et la compassion de conférer les vœux, sachez qu'il est un bon maître. Да. Так из-за зуцик Ani dini kewa shendo yang ten ten do, chiye shebe laba yongsu song se achi. Ani munsim ki, an tije la, munsim tamja je song, munsim tamja je song wade, ani da kaso ure minyam badan. Ani kongbe do pe, minyam badan, kongbe do dobe tabla begu wores. Mm-hmm.
hier, donc, nous avons évoqué donc, le développement de l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration et plus loin encore, l'aspiration ici développée sous forme de présence, de promesse, pardon, d'engagement, c'est-à-dire la volonté de ne pas se départir de cet esprit d'éveil. Il s'agissait ensuite donc, de veiller à ce qu'un tel, esprit d'éveil sous forme d'aspiration ne dégénère pas, ou une telle promesse ne dégénère pas, mais mettre en place, même en œuvre, les moyens de l'accroître, de l'intensifier. Pour ce qui est de veiller donc à ne pas laisser dégénérer notre esprit d'éveil sous forme d'aspiration, il importe donc quotidiennement de se remémorer les bienfaits, les avantages en fait que l'on ressort de l'esprit d'éveil et de le faire à 6 reprises. Donc dans le contexte par exemple de 6 sessions, par exemple combiné des 6 sessions, se remémorer ces bienfaits. L'autre aspect est de reprendre en fait à 6 reprises, 6 fois par jour également, l'esprit d'éveil, donc de réengendrer, on dit proprement parler, l'esprit d'éveil. Cela peut se faire par le biais de la récitation, de la prise de refuge et du développement de bodhicitta en 4 vers. Cette réactivation peut se faire par le biais d'autres strophes, d'autres vers, plus ou moins longs, donc selon les rituels, peu importe. Pourrait se demander la raison de faire cela, donc autant de fois, donc 6 reprises, se remémorer les bienfaits quotidiennement, reprendre en fait, réactiver, régénérer l'esprit d'éveil ainsi plusieurs fois par jour. C'est de manière à faire s'élever la joie en fait, encore une fois, faire s'élever. Faire naître la joie, l'inspiration en fait, l'envie en fait de continuer à cultiver cet esprit d'éveil. Et c'est plus cette inspiration, donc plus on sera inspiré, donc porté en tout cas à le développer, et plus naturellement on se préservera donc de le voir dégénérer. Mm-hmm. Il se peut que néanmoins, en répétant, en rappelant cela, donc 6 fois par jour, un jour, 2 jours, une semaine, un mois, etc., il se peut que cette inspiration, cette joie s'émousse un petit peu, que ça devienne un petit peu ennuyeux. Do the same thing all the time. You might feel, instead of inspiration, that's just too boring. That the imagine you watch him, watch him, but you use. Broadway letter chevin kind then they have most Broadway in the theater chaps is to adil Broadway any dunzu tamni dunzu kare tabgyu ne tabiyako komatta wa tabura
가르드에 놓고 고맙다고 하던 거로 아니 차비에 고맙다고 하던 거로 차비에 대해 고맙다고 나와 두기링 차 나와 두기링 이나 나와 두랑 차볼 때 이제 야 우리랑 갤럽스 이마 레레라 찍찍과 배지찍과 캐릭터 찍과 레데 또 공다 레레라 배도 용서민다고 레레링 그랬어 가르친다나 수수 이마 레레 수수 냠냠민다고 레레링 거로 와서 냠냠 디기 시체체 아니 찍라비아 찍과 차비아 찍과 이네 냠냠배 님한테 가가 용도 있어. 다디도 지고를 했었어. Il se peut effectivement qu'en répétant la même chose tout le temps, au lieu d'engendrer de l'inspiration, en fait, ça génère plutôt de l'ennui. À ce propos, donc, un jour, j'ai l'occasion de rencontrer une connaissance qui est comédienne à Broadway et qui joue donc des pièces de théâtre et qui donc, lorsqu'une pièce est à l'affiche pendant 6 mois, par exemple, bah, joue la même pièce en fait tous les soirs, fait la même chose, exactement la même chose tous les soirs. Et elle me disait, certes, tous les jours, on répète les mêmes mots, certes, tous les jours, on emprunte les mêmes vêtements, les mêmes personnages, mais il n'empêche que l'expérience de la journée, les expériences qu'on a fait dans le décours de la journée étant différentes, on fait tous les soirs une expérience différente. On ne fait jamais, comme si on jouait jamais la même pièce, en quelque sorte, tous les soirs, on ne fait jamais exactement la même expérience. Et c'est quelque chose de tout à fait semblable ici, dans la mesure où notre vécu quotidien diffère d'un jour à l'autre, l'expérience que l'on fait chaque fois, donc, de, en l'occurrence ici, de ces méditations va différer ou de ces réflexions. C'est à ce titre-là qu'on voit l'importance en fait, qu'il y a d'arriver à lier son expérience, son vécu quotidien à sa pratique quotidienne. Il faut arriver en fait, à faire que les deux s'alimentent l'une l'autre. Та гонда го дебжил ни кудугруа, цен ди коши ге якале хабу чагруа, я чи нива зал яла, я самужда, я мания, чи зу шива зал яла, дэнде хабуруа. Та нингу, нимен кундела, я чи зу кюс кюс. Бена цам деду, тюн чуги нямле чи, тюн чуг лэн чи гуа, тюн чуг чи ду, я цам замла, сэм геба тюн чуг, ламен нэн чур тюн чуг, го коши ге ачун гуа. Pour justement favoriser donc l'inspiration et maintenir ainsi donc l'esprit d'éveil et éviter qu'il ne décline, il importe donc de réfléchir. Il est dit à plusieurs reprises, à 6 reprises dans la journée, aux bienfaits, à se remémorer les bienfaits de l'esprit d'éveil. Quand on parle de cette expression à 6 reprises, on parle de 6 sessions dans certains contextes, donc de le faire à 6 reprises. En réalité, en fait, c'est le nyctemer qui est découpé en 6, les 24 heures en fait qui sont découpées en 6 parties. Nous, on est souvent
compressé. Donc, on en fait 3 le matin, 3 le soir, et quelque part, on a terminé. Il serait bon, en fait, de pouvoir fractionner cela un petit peu plus. Donc, il est clair qu'il est un peu plus délicat de partager la phase de nocturne, en fait, la nuit. C'est un peu plus délicat de se réveiller à 2 heures du matin, à 4 heures du matin, etc., pour faire pour engendrer l'esprit d'éveil, etc. Mais essayons, en fait, de faire ça dans le décours de la journée, de fractionner davantage la matinée. Essayons de ne pas cumuler 3 et 3 ainsi, mais fractionner davantage dans la matinée, autour de midi, dans l'après-midi, en fin de soirée, etc. C'est à force. Essayons dans le décours de nos journées, prendre refuge, engendrer l'esprit d'éveil, c'est quelque chose qui peut se faire extrêmement rapidement, qui peut être très bref. Essayons de l'amener plus dans le décours de nos journées. Cela est encore plus facile lorsque l'on se trouve dans le contexte d'une retraite, où l'on peut s'adonner effectivement donc à véritablement 6 sessions différentes, donc ensuite qu'il s'agisse des 6 sessions du yoga du maître par exemple, ou de pratiques de cet ordre. Sosula kuni soba gomma tusa ki simji ji samdang indi kale kabucha. Kale kabucha wa tsamdo ma se. Chita simji di ki ta tun che, simji di ta kakbu yin se, ta di ta kyun kuru yonza ma li samdi tindegi. Simji le bong, simji le mi bong ma se. Ta kandara yang kari mogo kari chungba yina yang, ta di langi pen towa chigime samsang ki, samba di namya gigime samsang chigi. Pendant Michel Samson, qui s'embête, Namia qui m'est. Tendez, il semble de cache machin, ou est-ce que c'est un grand leg, sim guitone d'indiquer, you would assume que tu es un chevaux Samson, you would y a l'air dans Molam dans d'indiquer Deveton, Samson, yeah, Simjin Chitabachi Susu, mixig chicasso, le logiant, la gangeting, you grow. Chicasso, mixig, young ganging, wait, did you buy into that? Mince. Yang tinggi itu ni yang simjin cerah macam lu tang bayi na, tapi dia tu yang sama dia cina cebai na yang cik simki bala, kujian tu yang agak cair koris. Tinggi yang bayi tu, tapi ke kasur le, sim tak cebai suci. Lorsque l'on cherche à engendrer l'esprit d'éveil, à méditer donc l'esprit d'éveil, lorsque on le fait de façon générale, c'est-à-dire en considérant donc les êtres d'une manière générale, en pensant à tous les êtres, c'est quelque chose que l'on peut avoir l'impression d'engendrer plus aisément. Néanmoins, lorsqu'on commence à penser à des êtres spécifiques, en général justement des êtres avec lesquels on a un petit peu de fil à retordre, donc ils nous donnent un petit peu de fil à retordre, avec lesquels on a un peu de mal à pouvoir développer la patience nécessaire, etc., il se peut très bien qu'on se dise, moi, cet être-là, j'y arriverai pas, c'est pas possible. Et abandonner, en quelque sorte, mettre de côté un petit peu telle ou telle personne. Et il est extrêmement important, justement, contrecarrer ce type de pensée. Il est extrêmement important de se dire. De s'empêcher en quelque sorte d'engendrer une telle pensée, de se déterminer en fait à ne pas engendrer une telle pensée qui nous détournerait d'un être, nous amènerait à penser que on ne pourrait pas d'une manière ou d'une autre de toute façon être bénéfique à cet être-là. Il est vrai que quelquefois, de par les karmas accumulés, de par les prières ou les intentions en fait engendrées, il se peut effectivement que l'on rencontre des difficultés avec tel ou tel être. Néanmoins, il est extrêmement important de se déterminer, d'être résolu à ne jamais laisser cette pensée en fait envahir notre esprit, de nous détourner, d'abandonner moins mentalement un tel être. Je suis allé à la maison.
tanda meul tanda nyokde kil zuro tanda kwa ta dije la ani shiva di ani simjing kasure kizi shiva na jinshani ani simge ba manya bi tundu ani soksa dibjang la beadi ani kejim shai kores. Et le dernier point, donc, qui est indispensable, le quatrième point, donc indispensable, qui va permettre donc d'éviter la dégénérescence de l'esprit d'éveil sous forme déjà d'aspiration ici, c'est ce que l'on a envisagé déjà hier, à savoir s'adonner à l'accumulation, donc la réunion donc des deux accumulations, l'accumulation de mérite, de sagesse et la purification de nos négativités. Donc, t'as tenu, un chien carcheurus, non? Tachi kasore, tsam, ani ngaranzo, susu, ani chi kasore, gewe shinyine rado, ani susu chi kasore, ta tindegi chungdu le yundu, ani chi kasore, yabu shuji cheyagi dewaay le gore, yabu cheyagi samlu le gore, ani samlu di gyuntu matobuchi, ani susu. Kimbuda lamme tungne tarndu duz zilidi yan kod bet kora kagachaj. Kantar diyan ani chi kasogri. Tambu dendegi da zungi uma kora yasin. Gogor matan yasin da tanda durduna. Pigi lalubgi dewayne radu kariyine yan kod. Kari kelin chepadi. Ani chetubadi chetuba. Chematubadi chematuba. Kelin tambuji deyadi. Dendegi suzungani chobadi yabuji dewayne yan sim kod. Par ailleurs, en ce qui concerne donc des facteurs qui vont favoriser justement ou non l'intensification donc de l'esprit d'éveil, il y a l'attitude que nous avons par exemple envers notre maître ou nos maîtres spirituels par exemple. Lorsque nous nous trouvons en leur présence, quelquefois nous avons envie de bien faire, nous avons envie de donner le meilleur, et puis, mais cela manque de consistance, c'est-à-dire que lorsque l'on est éloigné d'eux, cette pensée là encore s'émousse un petit peu et on manque en fait de continuité finalement dans notre engagement. Et ce qui peut revenir quelque part à tromper, donc c'est le point ici, c'est d'éviter coûte que coûte en fait de tromper, de faire semblant en quelque sorte de abuser, c'est pas tellement en français, mais de tromper en fait nos maîtres en fait d'une manière ou d'une autre, et par exemple vis-à-vis des engagements que l'on peut avoir, d'être tout à fait droit, d'être tout à fait franc, sincère, et de dire bah cela je peux les tenir, cela ça va, cela j'y arrive pas du tout, je les tiens pas ou je n'y arrive pas. Il est préférable donc il est important donc d'agir ainsi de manière à pouvoir justement intensifier son esprit d'éveil. T'as dit Gyumzen de Karasana, rang qui tamja tembu de yadi. Rangi samba tembo. Marie, il y a des gogor matin, il y a des sous-sous qui sont le matin, qui sont tremboutiers. Et le fait ainsi donc de veiller à ne pas duper, à ne pas tromper en fait, à ne pas leurrer notre maître, donc un nos maîtres, d'adopter donc une attitude franche, une attitude droite, honnête à leur égard, va nous permettre d'avoir un esprit beaucoup plus stable en fait, des pensées et des manières de penser d'une façon plus large qui sont beaucoup plus stables, et c'est cela qui va favoriser l'intensification de l'esprit d'éveil. Then Dinea, Shenda Chikaresna, and Mishinda Gavachina, and Yam Mishinda della Kizer Damindashi, Gumzin Damindashi Gemchi, Gavachi, and Tindigi Chaval Jubaina, and Yabuchawoman, Tindigi Chaval Majubachi, Shengi Sampa Tembu Yubati, Tambu Tambu de Rangi Sampa Tembu Chachi, Shengi Gavachi, Gavachubaina, Gavachi Jubaina, and Shengi Sampa de Metemba Sagro.
ni simge ba mi yembi gyulo tu kantar jang rang gi samba tembu yoba de tembu de to ba shen gi samba tembu yoba de la tembu de to ba an den je ji gi to ne ani simge ba ma nyambi gyulo tu go res shen gi wa chebol gyu ju ba ina shen gi samba tembu de ma den ba su gro notre aspect est l'attitude que nous avons maintenant vis-à-vis des êtres lorsque ceux-ci, par exemple, ont effectué des actions vertueuses, de les amener, donc par un différent raisonnement, une argumentation, de les amener à regretter, en fait, ces actions positives, ces actions vertueuses qu'ils ont engendrées. Et on voit que précédemment, ce que l'on cherchait à mettre en place, c'est une certaine stabilité, en fait, de notre esprit. On voit bien ici qu'en agissant ainsi, au contraire, on vise à déstabiliser l'esprit. Esprit d'autrui. Le fait d'agir ainsi est quelque chose qui va, là encore, nous amener à décliner, voire décliner notre esprit d'éveil. Donc il faut veiller justement à éviter cela. Donc, tu as dit, tu as dit, dimindu densim geje karchigrisna shenji gi chawa sangbol ju yunayang enchi kasore kotela enchi kasore judgmental dam na kalore judgmental pugel mixe ke maro se judgmental sur cheje densim gi tone ko yagu mare ji dam de cheje rangle toal da yang rang da nyambala Nianchi Yodan Yugu Sambe, Yanchi Kasu, judgmental Kichawal Juya. Kasu Pigichik Kundip Such, that's all the Kundip Such. Tardo Gitone, Rangle Tola, Tardo than Jensen Gitone, Gurudep, and Randa Nyambala, Yugu Sambe, Gurudep. Randa Nyamba. Rang de nyamba ta jigwa jigwa ta wita rang de maola ta yo de yo isambe yo gyu sambe ani kundep ki wodep so ra so ta ta dil kundep so chwa ta ko jig jim ma ris ko dam me ma bu chi chi ati de de che ba ina ta kandar jan sian la tsa wa ka so re sian la tsa wi rik Shana Severic Chag Yogan Duda, Tinsula Malabati, and Tinsula Mijuba, Tedale Dombati, Sim Giba Manyan be Tapchar and Gores. Shana Severic? No, il est un autre contexte dans lequel, par exemple, vis-à-vis d'êtres qui ont des qualités, des aptitudes supérieures aux nôtres, ou des acquisitions, des réalisations supérieures aux nôtres, on en vient à éprouver la jalousie, donc à leur égard. Des êtres qui pourraient avoir des aptitudes semblables aux nôtres, on éprouve habituellement un sentiment de rivalité, on sent en compétition avec eux. Dans un cas comme dans l'autre, finalement, cette attitude nous amène, lorsque l'autre agit, là encore, favorablement, effectue quelque chose de positif, à trouver à redire, à critiquer, à dénigrer. Oui, c'est bien, mais enfin, c'est pas terrible. Et toujours de trouver quelque chose à redire pour rabaisser, en fait, ou diminuer cette action effectuée par une telle personne. Donc, on va pouvoir agir de façon hypocrite, donc à l'endroit par exemple d'une personne qui pourra avoir des qualités semblables aux nôtres, mais dans le fond cela afin de dénigrer finalement les choses positives que cette personne a effectuées. Autant finalement de pensées, même si elles ne sont pas toujours exprimées, mais autant de pensées qu'ils relèvent d'une forme de malveillance, c'est-à-dire qui nuisent en fait, qui portent atteinte à autrui. Et c'est cela qu'il faut à tout prix chercher à contrecarrer afin justement de ne pas voir dégénérer, décliner notre esprit d'éveil. Tu as dit que 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 tu as dit 딘주기 탑조진 시송 거를 슬랍제 되게 돼.
Le point essentiel ici, donc tous ces conseils, en quoi est-ce qu'ils consistent? Ils consistent en autant de moyens pour nous permettre d'arriver à ancrer suffisamment donc notre état d'esprit, notre esprit d'éveil, de faire en sorte que cet esprit d'esprit d'éveil soit le plus stable possible, donc le consolider en quelque sorte, et lui permettre d'être le plus pérenne possible, donc lui permettre de durer le plus longtemps possible. Ce sont autant de moyens en fait dans ce sens. Pourquoi en fait c'est si important? C'est parce qu'en fait, de par la force de nos karmas, en fait, l'on en vient à fonctionner ainsi que lorsque nous rencontrons quelque chose de nouveau, immédiatement on est emballé, en fait, on est propulsé, on est extrêmement enthousiaste. Et puis bientôt cet enthousiasme s'émousse un petit peu, on est un peu moins emballé et on n'a qu'une envie, c'est passer à autre chose pour être à nouveau emballé, enthousiasmé par autre chose. Et justement ici, donc ces différents conseils donc, qui viennent être donnés, ces différentes choses à éviter, choses à pratiquer, sont autant en fait, d'actions compatibles, en fait, concordantes avec la consolidation de l'esprit d'éveil, avec sa pérennité. Si nous récapitulons en fait les étapes par lesquelles nous sommes passés, nous avons vu la nécessité donc d'accroître considérablement donc nos accumulations, nos deux accumulations. Grâce à cela ensuite ou en vertu de cela ensuite donc de pouvoir prendre refuge, nous appuyer sur les objets de refuge, engendrer esprit d'éveil qui est engendré d'abord sous sa forme d'aspiration et cette aspiration qui est un peu prolongée en quelque sorte par cette aspiration qui nous amène à penser que, ou à souhaiter que c'est moi-même, quoi qu'il arrive, qui conduirait, donc, œuvrer donc, de manière à parvenir au cœur de l'éveil afin d'être bénéfique aux êtres. Et cette aspiration ici, dont l'esprit ne souhaite plus se départir jusqu'à ce qu'il en soit ainsi, cette aspiration qui consiste donc en l'esprit d'éveil aspiration sous forme de promesse ou d'engagement. Une fois que cela est engendré, il s'agit de mettre en place les moyens qui permettront d'éviter la dégénérescence donc, d'un tel état d'esprit. Ces moyens qui consistent en le fait de se remémorer les bienfaits de l'esprit d'éveil, de reprendre, en fait, de revivifier ou de réengendrer quotidiennement, donc encore ici, l'esprit d'éveil, de ne pas nous détourner d'un être quel qu'il soit, de ne pas abandonner, en d'autres termes, un être, et d'accroître donc notre... d'accumuler, donc de réunir nos deux accumulations et de purifier nos négativités. Ta
Récapitulons cela autrement. Donc, l'individu de capacité supérieure donc, s'attache dans un premier temps à engendrer l'impartialité, l'équanimité, à la suite de quoi il s'entraîne à percevoir tous les êtres donc, comme sa mère, est touché par leur bonté et veut leur manifester sa gratitude, sa reconnaissance en retour. C'est en vertu de cela que, grâce à cette proximité ainsi développée, ce sentiment de proximité ainsi développé, il peut engendrer la compassion, laquelle s'étend à l'ensemble des êtres devient la grande compassion. Grande compassion donc qui constitue la racine dont le renforcement, quelque sorte, donc, et la continuité va nous donner naissance à Bodhicitta, l'esprit d'éveil. L'esprit d'éveil qui s'élève d'abord à l'esprit dans sa forme d'aspiration, laquelle aspiration donc est, on pourrait dire, mieux ancrée ou consolidée par la présence de cette pensée de ne jamais, quoi qu'il arrive, se départir de cet esprit d'éveil, sans forme au moins d'aspiration, qui consiste ici en la promesse, donc qui scelle en fait la présence de cet esprit d'éveil et aspiration. Nervous yorwa ta ta tin kap dir nervous le kharsan ngaz ta lenyung gi shewan chi cha de yorwa le da ni ta lenyung gi shewan chi nyumung gi shewan chi cha de yor de ina te dong ingi ingi la ani mensim tam cha chi sun shi de jo sim ji de san ji gong to cha wo ni be lo ti za ni dang gi me sam sam chi ina yang gyar gi gyar gyar yak ta ji de gi Gagri Gabri Gagri Yata Gabinis. In a member same day, Tamcha did sound in the Tangimes. The counter young, did the young Sigrova. In a young, that the Casuri, Dingsu Carriorewa. Tuck Tamcha Penna Penna Bangdo Lemda Yar. Say yap can get yap tiny dergy she maybe she cars over. That seems you giant so check to use those like you mean to. That she done in the dinner day or is Yamungi Shawanjin child day or day in I am missing Tom Judge's song yard dealer. She da this one at Susu some Susu series some dumb in a not carry that not the girls leaning Shawanjin Gila. Tendegi Tamja did Zawany and Tangamia sometimes. She was a simjing. Tadawa ta mambal chigorwa. Ine mamba di chidan mambe nilu di kari ine yong siwa chadirwa. Yina yang nanzu dingsu chetu ya di ta zo di ani tamcha dan garanti kagamendo. Kagarwa. Kagarwa, tende indi ta shido uch kariyorasana, tende vi tamcha che tuya ki shido uch kariyorasana, jidan maung balad iden yo mare, kangad nedan dende rede ina yang tamcha che ala, tamcha de tada wada maung balad chigo urde ina yang shido uch kariyorasana, ta zo di shijio sa de tada negab su, sunumda yishik so sabala beba.
다데네 갑수 니 램순 센 램순의 페인 템바다 심께바 어다 딘주 어다 디시드부터 차인 거를 담자가 담 담자 제투야기 시드부지 본은 망부지야 바이나야 본은 제투야기 시카리를 시그와 비는 무이도지 망부지야 바이나 무이 본은데 파 제투야기 시드부지 카리오레스 아이러와 파파는 제트에 미들 카리오 미들 레가 요르요 미들 레가 킨 메니지 플루 수진 양 마르와 아코 니리 니리 레가 치도 니리 니리 치 두스나 코니 치 본인 숙침 부지야 보이네 요 고테야기 에 담자직 샤 가르쳐 보이네 요 시질레 인구로 되는 신체니 에 지담 담자디 타다와도 마음벌 치기요 마음벌 이데요 말테 이나요 코 타데네급수 니리 니리시 근데 제바인데 된대기 돈에 담자 제도 그래서 quand on regarde en fait ce terme quand on entend en fait parler de ce terme d'engagement de promesse il arrive que ce soit quelque chose qui engendre une certaine tension par exemple avant de signer un contrat on se sent un petit peu nerveux par exemple il arrive effectivement que l'on ressente cela. C'est donc le cas donc lorsqu'on est sur le point donc de développer cette promesse ici de ne jamais se départir donc de son esprit d'éveil sous forme d'aspiration. C'est un fait que nous sommes sous l'esprit sous la force en fait sous le pouvoir de nos karmas et de nos émotions perturbatrices et que en même temps s'élève un doute en notre esprit en nous disant mais bon serais-je vraiment toujours capable de préserver donc d'entretenir un tel état d'esprit serais-je capable de ne jamais abandonner un seul être puisque cela relève de cela. Oui, dans l'absolu, c'est possible. Il est possible que les choses dans le futur évoluant, il est possible que l'on soit amené, par exemple, à abandonner tel ou tel être. Mais, par exemple, dans le contexte de la promesse, qu'est-ce que c'est fondamentalement une promesse ? C'est quelque chose que l'on fait maintenant, que l'on fait aujourd'hui, pour plus tard, en fait, sur l'avenir. Et dans l'intervalle, il y a de nombreux impondérables possibles. C'est là où il y a peut-être une différence entre ce qu'on appelle une promesse, un engagement, et une garantie de notre côté. Il peut y avoir une différence un petit peu à ce niveau-là. Mais regardons bien, ici, la promesse ou l'engagement. Quel est le support, en fait, oui, ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler ici la garantie, justement, mais le fondement même, ce sur quoi repose en fait la promesse ou l'engagement, en l'occurrence ici, dans le cadre de cet esprit d'éveil sous forme d'aspiration, c'est le fait, tous les jours, par exemple, de s'évertuer, donc à accroître son accumulation de mérite et de sagesse. C'est le fait tous les jours de ramener son esprit, ou de ramener à son esprit les bienfaits de l'esprit d'éveil. C'est le fait de ramener tous les jours à son esprit, justement, cet esprit d'éveil, de chercher à le revivifier. Et c'est en vertu de cela, de cette garantie-là en quelque sorte, de ce fondement-là que l'on peut effectivement ensuite légitimement prendre une telle promesse ou s'engager ainsi. Un petit peu à l'instar de quelqu'un qui ferait un emprunt dans une banque, la personne au moment où elle fait cet emprunt n'est manifestement pas solvable puisqu'elle demande de l'argent. Ne peut pas donner cet argent puisqu'elle le demande. Mais il n'empêche que quel est le support en fait ou qu'est-ce qui fait que cet argent va être prêté ? C'est le fait par exemple que cette personne travaille tous les jours, qu'elle a un salaire, donc quotidiennement il y a quelque chose qui réuni en fait, ou il y a des conditions qui sont tous les jours réunies et c'est ce qui permet en fait que cet emprunt par exemple soit accordé. Travail. C'est un mot que je connais, ça travaille, je l'ai souvent entendu. Ok. Donc, c'est un dîner. T'as rendu ça à dire. Juxim dani domba matopor, yandan domba pever, kumai, zobe, chanju domba peldebe, tejir bebe, teni, never lungs. That and dining body, semke, but some gipingo, mares, chiduchi was simje, sanjoko, tobi, some semke, but some ki, some keba, the halabari, the young, tesamgi,
sangetu ya yungumare simgebe samba de tunam ya tangi me samba samgi sangi kovan top tu gumare tende imene sangi kovan tabi yalla da çobal cugu var simgebe simgeba diye çobal va çobal çoba pardon için bu çulan malumna da tende imba indi da memba mönsüm tamcacı sunu ve cesu hani cugdum layan de sunu görürüz. Cugbe domba. C'est ainsi qu'on arrive dans notre texte à la 19e strophe qui nous dit « Faute des vœux qui sont l'essence de l'esprit d'éveil engagement, l'aspiration excellente ne peut s'intensifier. Si vous souhaitez donc épanouir vos vœux de complet éveil, il vous incombe alors de vous efforcer de les prendre. » Effectivement, développer l'esprit d'éveil donc, est en soi déjà quelque chose d'absolument remarquable, mais il n'empêche que cela n'est pas suffisant. Tout comme le fait de s'engager, donc de formuler cette promesse de ne jamais se départir de cet esprit d'éveil, jusqu'au cœur de l'éveil, c'est quelque chose en soi simplement qui ne nous permet pas de parvenir à la bouddhéité. Il est indispensable pour cela de s'engager aux activités, aux pratiques ensuite des bodhisattvas, en d'autres termes aussi perfection. Et c'est la raison pour laquelle il est nécessaire de prendre les vœux, donc ce qui est appelé les vœux de bodhisattva, on dit jugdom, sont les vœux d'engagement littéralement. Donc c'est tunda nyingbu de kargorosna mensem tamjaji sun kuyan dezen chikche ani jugdom sun se ya chige dezen kaga chik kuni dezen kaga yinbe samu kugyo mendoos da mensem tamjaji sun wadi kumbhe du tangya di kare tangoros jugdom ki kumbhe du tangoros ko yi tangyum gomje ya duji yi mensem tamjaji padu le sarwa da dine yangyum mensem tamjaji sun wadi kumbhe du tangya di jugbe tangyi chingi domba mwa tokpara ani yangda domba pewar kyu mayin sik tangbu cik tangbu da niba digi juksem dangni domba matok baris da domba jugbe jugdom mato shen kangi yang yang tabi domba o pelwa kyu wasa yang tabi domba gabdiri yang taba sayada yang taba mwenba yang taba mwenba da chi kasur mwenba choge sunwe tonne tendegi kasur domba sunwe di ani kombe du gyurtu ma res tendegi mba yindu jugdom da jugu waris jugdom lang waris waris. Ici, on pourrait avoir l'impression d'avoir affaire à deux choses complètement différentes. Il y a d'un côté l'esprit d'éveil, aspiration sous forme de promesse. Donc ça, c'est un aspect qu'on vient de voir. Il y a maintenant un autre aspect que l'on est invité à regarder, qui est les vœux donc d'engagement, pardon, les vœux en d'autres termes de bodhisattva. Et on pourrait voir ces deux choses comme étant complètement dissociées, comme étant complètement distinctes. En fait, il n'en est rien. L'une conduit à l'autre. En ce sens que, et le texte nous le dit extrêmement bien ici, il dit « L'aspiration excellente ne peut s'intensifier si justement ne sont présents ces vœux qui sont l'essence même de l'esprit d'éveil et engagement. » En d'autres termes, la prise des vœux ici de Bodhisattva, donc de ces vœux d'engagement, s'impose en quelque sorte comme la suite logique qui va permettre l'intensification de cet esprit d'éveil et aspiration sous forme de promesse. Yang tabe domba seyada. Zobe changjub ki domba seyada. Cik kuran yungdu apena jubi dangni jengi domba matokba seyada jugdom rana kuju che. Cik rang niba digi yang tabe domba seyada. Cik sumba digi zobe changjub ki domba seyada. Lekdua. Ta cik niba dan sumba di yang tabe domba seyada zobe changjub ki domba seyada nibu di kosa chikba rete yoresi. Sulu kogo resi na mensem tamjajin sunwe domba del kongo resi. Yanda mumba pewa kumayi zobe changju domba peldo be tejibeba yanda mumba pewa kumayi yanda domba pewa kumayi that's it minda ni do a tenda mensen tamjaje ni gala cik ni ba digi yanda mumba pewa kumayi sa mensen tamjaje sunga de kombe do tumares
tamjade tendo toya ta tamjade kombedo do to mares ani zobe changju domba pelde bes tedebe tamjade temba ta tedebe tamjago de kombedo do yala ani nyebardo jukdom langu res jida tsik niba da sumba nige mesen tamjade sumba da mesen niga kocho gasres lorsqu'il est dit ici lorsqu'il y fait référence donc, aux vœux qui sont les sens de l'esprit d'éveil et engagement, ici il s'agit donc des vœux de Bodhisattva, donc ces fameux vœux d'engagement. Quand il est fait allusion à, pour nous, l'aspiration excellente fait, elle, référence à l'esprit d'éveil aspiration, donc sous forme de promesse. De même que si vous souhaitez épanouir vos vœux de complet éveil, ici, par ces vœux de complet éveil, c'est justement cette promesse, donc on dit aussi engagement, mais cette promesse, donc, faite dans le cadre de l'esprit d'éveil aspiration. Donc en d'autres termes, pour intensifier, pour faire s'épanouir, donc ces deux manières de l'envisager, ici cet esprit d'éveil aspiration sous forme de promesse, que convient-il de faire? De prendre les vœux d'engagement. Ta mensim di chashiting besoche jugdom di laglel tar besoche tinde imba indu ko lagle matana chashi ko tongba de ucha ingor ba tinde imba indu ko chashi ko jup to yala laglel tar ko de tena jinchene ta mensim tamja ji sunwa di ko jup to yala chiko jugdom langu wores. On dit souvent, lorsque l'on veut mener un projet à bien, il faut s'affairer d'abord aux préparatifs et ensuite mettre en place en fait les différents appliquer en fait ces différents, ou réunir ces différents éléments, les mettre en œuvre, les mettre en pratique, les utiliser. Ici, c'est exactement la même chose. Les préparatifs, ce sera l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration. Encore faudra-t-il mettre en pratique, finalement concrétiser cet esprit d'éveil d'aspiration. Ce sera tout le propos donc des vœux de Bodhisattva, c'est-à-dire ces vœux d'engagement qui permettront en fait donc de s'engager dans ces différentes pratiques, et c'est ça qui permettra l'actualisation en fait, ou l'aboutissement en tout cas du projet. Sholaka nyibu digita wana tetabi jukbe domba ta kasuure ten chokdu gyurba chungura ta the best candidate ten chokdu gyurba di ta suzu taba rigdun kanyan runga chigi domba la ne yu na ane judom no yangi ten chokdu gyurba chayin gores ten akshin chini ta suzu taba domba da den yu na mensim tamja jen sunwe ten chokdu gyurba yang chadu gores. Sotage de Bukaru Dena Jugdom Sam de Masse Munsim Tamjajin Sungyagi Munsim Tamjajin Sungyagi, Den Chok to Kurba Munsim Tamjajin Sungyagi Kansagi, Den Chok to Kurba. Sotage de Bukaru Nena Annie. Jugdom lembe ten chok tu kyuwa tsam du mase munsim tamja jin tsungya ki ten chok tu kyuwa tsayin gores. Lorsqu'il s'agit ensuite dans la strophe 20 donc des vœux d'engagement eux-mêmes, il est dit qu'il maintient continuellement en lui les autres vœux de cette classe de pratimoksha à toute qualité pour prendre les vœux de Bodhisattva, mais pas sinon donc. En d'autres termes, ce qui est indiqué ici, c'est le meilleur candidat ou le meilleur postulant en fait pour prendre les vœux de Bodhisattva. Quel est-il? On le formule plus classiquement en disant quel est le meilleur support finalement, dépendance de quel support excellent peut-on prendre ces vœux de Bodhisattva. C'est en dépendance donc de l'une ou l'autre donc des cette classe de vœux de libération individuelle, de vœux de pratimoksha. C'est le cas donc pour ce qui est des vœux de Bodhisattva, mais c'est également le cas pour ce qui est de l'esprit d'éveil aspiration sous forme de promesse. Donc le support excellent, les conditions en quelque sorte excellentes sont le fait de posséder l'un ou l'autre de ces types de vœux. De libération individuelle, pardon.
Ani domba tang, dombe sunam gi topki, domba tela nebe, domba kurang tang, domba tela nebe sunam gi topki. Ani semjin yi tuyen gyashin bu juk tuya tang, gyase gi chobala juk tuya tang, gyase gi chobala juk yala parjiyan yunga tang. Ani tungi manga zom tuya tang, tende gi togi, gimzengi, ani ten chok tu kubasun gores. Pourquoi parle-t-on ici d'une suprématie, en quelque sorte, du support, ou d'une excellence, en tout cas, du support, que lorsque sont possédés ainsi donc, des vœux de l'une ou l'autre, donc des sept classes de vœux de libération individuelle? C'est parce que ce soit du côté de la présence même de ces vœux, eux-mêmes, que ce soit du fait même de la présence de ces vœux qui permet l'accroissement donc, des mérites, de ces deux points de vue-là, un tel individu donc est plus en mesure d'être bénéfique ou de plus grandement bénéfique aux êtres. Ses activités sont plus vastes. Il est plus en mesure de surpasser ou d'outrepasser obstacles et entraves. Il est plus en mesure également de réunir les conditions appropriées. Gewa gumi chido nyo ngan tiki gewa gumi chiba tila kujure deyores kwa domba ti topki gewa gumi chiba chile deyores gumi chiba parma chiba gumi chiba tende yunba yinzan gewa topchimbo yon ngan di domba ti topki gewa gumi chiba chik gewa gumi chiba ti topki ani ta ti chari ngores. C'est également en vertu donc, d'un tel support, donc grâce à un tel support, que le potentiel vertueux peut ainsi continuer de manière ininterrompue, à se développer, à s'accroître. Lengi domba jukdom lengi gi samba kandij goresna mensem yoba mensem tamja jin yoba ani kasa koran gi shida go kharigo goresna kulung gi chane membe semche mensem tamja jin yude ani kasa koran gi shida go kharig shi chodu kyobati ta shi chodu kyobati ani shi kaso re sotajik dün kanru gi dombala dembati shi choktu kyobati ba ani ta kangle lang goresna dombala lensa ti kandijine lang goresna ani chanju sembe satani sudim liule sungbe choga ye yangda tsini dembai lama sangle dombala dombe choga la kyeba dani kanjin dombala neba ta kanda jang dombalang be yudi ta dombalang be yudi le ta ta dombalang be choga kanga yagu sheba dom chanjusen be dombe choga bokcho yagu sheba minyambar sunga nyambar ta kandar jang kansa lama rangi ani kansa chanjusunbe domba la neshin ani chanjusunbe domba mi nyambar sunwa nyambar chichiwa tendegi tabla keba tenzu nenga tuzu kanga yabu shi tu ni chigzane ani chanjusunbe domba langu uresu ani chanjusunbe ani di gangla nyingji yoba labi samba yoba ani di gangla ani nge domba bortu nge domba tene dik samsam ji poba yoba ji La personne qui souhaite recevoir, en fait, prendre plus exactement donc, les vœux de Bodhisattva, donc ses vœux d'engagement, est une personne dont la motivation initialement donc, sera déjà imprégnée justement de l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration, et même donc cette aspiration donc, qui sera allée plus loin sous forme de promesse d'engagement elle-même. Un tel individu, donc comme on l'a dit, a comme support le fait déjà d'avoir l'une ou l'autre donc, des sept classes de vœux de libération individuelle, donc idéalement de vœux de Pratimoksha.
De qui est-ce qu'un tel individu donc, peut prendre, auprès de qui pardon, peut-il prendre ses vœux de bodhisattva, ses vœux d'engagement, auprès d'une personne qui a une bonne connaissance du rituel? C'est ce que nous indiquent les strophes 22-23, puisqu'elles nous disent, par donc, le rituel ainsi décrit, prenez les vœux auprès d'un bon maître qui possède les caractéristiques requises, c'est-à-dire celui qui est versé dans les rituels d'ordination, donc qui a une bonne connaissance des rituels, donc, qui confère justement notamment ses vœux de bodhisattva, d'une personne qui cultive elle-même les observances, c'est-à-dire qui n'a pas laissé dégénérer, décliner ses propres vœux de bodhisattva, une personne qui a la patience et la compassion de conférer donc, de tels vœux, une personne donc, qui, outre le fait d'avoir éprouvé de la compassion, éprouve l'intention spéciale, ce qu'on appelle une latitude extraordinaire, et qui, outre cela, a confiance en fait en sa propre capacité de conférer de tels vœux. Touché. Da, chenju sembe dombe gyuba la samdam ba yina. Ani ta dombe ta butum ba chum dende, ani dine kaso re. Lujur tome. Da kanta ya dine samdam ba yina. Umbu lujum ni gyuba chik. Am pabo tome ni gyuba chik. Bena peji peji chuji lamjun dan dezu peji pabo tome ni gyuba de menro. Ani junju dan shivale gyuba de lujum ni ma gyuba. Diba? Da ya tsiba ni tumbeta bu tumba chum dende ani chamba an tongme an dine ma gyube chanju sembe tumbe kaso uri ya chashe nangdan chik ani dan lamjun dan chujik zo tende tongme gyuba de yinsari ani tumbeta bu tumba chum dende an jambe ya gumbu lujub shivala an dine ma gyube peji tumbe judan ani pena chogala samdan bayine ya ani ludul ma gyuba de la peji nimdo leyanchi munju chikja do leyanchi ingwesare ya lamjun dan du susur ko bangche leyanchi ingwesare da peji gyube tonne menro. Simplement quelques mots à propos de la lignée de transmission donc des vœux de Bodhisattva. Cette lignée remonte au Bouddha Shakyamuni lui-même et a connu en fait la transmission en tout cas de ces vœux de Bodhisattva s'est faite selon deux transmissions, deux lignées de transmission distinctes. Une donc qui est passée par le Bouddha Maitreya, Sangha, et c'est manifestement celle de cette lignée-là. Donc Atisha ici a tiré les instructions qu'il a mis en place, donc en œuvre dans la lumière de la voie. Il y a une autre lignée de transmission qui s'est effectuée par l'entremise du Bouddha Manjushri de Nagarjuna et par exemple qui est reprise ensuite, ou que suit en tout cas Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara. Montrer par exemple une différence entre elles, c'est que lorsque le rituel donc, des vœux est conféré, donc selon la lignée de transmission donc, de Nagarjuna, l'esprit d'éveil, aspiration et engagement sont transmis conjointement en fait, en un seul et même moment. Contrairement donc à la lignée de transmission reçue donc au suit Atisha, dans lesquelles donc ces deux facteurs donc sont l'esprit d'éveil sous sa forme d'aspiration et sous sa forme d'engagement sont transmis de façon séquencée. Donc. Juxim, the Munsim Dam, Munsim Tamjajans, Nisha Rata, Tenashin, Juxim Dam, and Jugdom. Any Namdu that's Nikishum Shishachana, any Juxim Sind, any Semge Chubanyam Linga Chavi was Simbati and Juxim Chubanyam Linga Chavi. Juba Jisu Paru de Chimba Tula Subi, Juba Yamingi Chavi, Unus Simba. Then was Simba Sina was Simba Sina called Singi Shungi Six or Chagorva, Takanda Yang, Pena Jimba Dawji, Yamin Chedi, and Tong Sim Dawji Jang Diana, and Tinegam Nayang, and Chikasore, Namge. Sangi Koban, Tomduki,
tempa dan dumba ture boyo ba dan die garso gosna ben anzu chogo to deyo na chogo to deyo na tanda su chik che de gor de ine chogo to de ge samlo ko chi class sa gu do samso ko bi background del de de so chigro ba ben ka do ji gom yo na ko lega ji che de chigor de ine de chu ji dong gu do samso ji ko samlo shen da chik bi ge su de nyimdo nyimdo le de do de na jin che ne Simki, Jovan Yaminki Chavin was a simple saying, do the Ben Jimba Dojin Yamin Chedin, Tinegam Nayan, and Chikasore. Musu Jimben Yamin Jugur de Yinayan, and Simjinki Tundu, and Sanji Kovan Tom Dudi, Gulunza Maimba, Gulun Le Haga, when you told Chakudu Samson Chick, Kakombe Negabla, Chutungo Samson Chick Lodge to a tena shinchin, Kopigi. Le surji pigé du chine le nubachik pigé taran kal de dingi sachi du chwa simjin ki tundu san yu koman to gu du samsam chik ina ya tanda ngus samlu kar gu ngondu kyo deyaris na jimba dhavu chine na jimbe nyamlin kura ngondu kyo deyaris soba ina ya sobe nyamlin chik ngondu kyo deyaris La question qui s'élève alors maintenant est de savoir s'il y a une différence entre un esprit, on pourrait dire, d'engagement, simplement, et des vœux d'engagement. De la même façon, on a vu qu'il y avait une différence entre l'esprit d'éveil sous forme d'aspiration et l'esprit d'éveil aspiration sous forme de promesse. Regardons un peu la définition de ce que l'on entend par un esprit d'engagement, on pourrait traduire. L'esprit d'engagement, quel est-il ? C'est un esprit, une conscience en fait, qui s'engage dans les activités, donc sous-entendu les activités des bodhisattvas. Ici, donc c'est une conscience qui s'engage, qui met en pratique les différentes activités, en étant elle-même directement mue, directement influencée par l'esprit d'éveil, par bodhicitta. Comment comprendre cela ? Lorsque nous nous adonnons par exemple à une pratique telle que la générosité, donc développons l'esprit de don en fait, ce nous allons nous adonner à la pratique, mais ce qui va la sous-tendre, c'est le vouloir, l'aspiration, le désir de parvenir à la bouddhéité. Prenons quelque chose de plus simple. Lorsque nous avons soif, par exemple, nous pouvons être en train de faire une activité, de travailler, n'importe quoi, et il se peut très bien que nous ressentions la sensation de soif. Et tout en continuant à nous adonner à notre activité, en arrière-plan, il va y avoir cette pensée, il faudrait que je boive, en fait, il faudrait que je trouve un moment pour boire. Elle n'entra pas notre action pour autant, c'est pas simplement une motivation, c'est quelque chose qui vient en arrière-plan en quelque sorte, donc comme une pensée secondaire en quelque sorte, qui vient en même temps que notre activité. Ici c'est tout à fait semblable, c'est-à-dire que dans le cadre donc de cette conscience, de cet esprit d'engagement, c'est plus qu'une simple motivation, c'est comme une pensée secondaire là encore, donc qui vient directement influencer, directement imprégner en fait ou sous-tendre l'acte de générosité, de patience, etc. auquel on s'adonne. Juste. Ani, ta juksemje, jukdum seyati. Ani, ta kase ki chedu chedu simjin ki tundu sanjiyo koban tobasam tobar debasam mas ti tundu kase ki chobala lobgi kase la chobala loba tamja bat. Loba samdu mas elta kase ki chedu chedu simjin ki tundu sanjiyo koban topgi ti chedu kase ki chobala lobgi loba samdu mas loba tamja bat. Tüdüne sundu, hani çizgi çengünün burada çiği pardu, hani simcengi döndü, hani gelse gidiyor bana loba tam cevabı. Ben cüldüm çayım burası. En ce qui concerne les vœux d'engagement, ensuite, donc, il s'agit d'un engagement de cet instant jusqu'à ce que je parvienne donc à l'état de Bouddha, de m'engager en fait à appliquer, à en mettre en œuvre donc les différentes perfections, donc, notamment les 6 perfections, et cela de manière à pouvoir conduire tous les êtres donc à l'état omniscient ou l'état de Bouddha. Donc c'est cet engagement ici de cet instant jusqu'à ce que je parvienne à cela, je m'engage à œuvrer de la sorte, à m'adonner donc à ces pratiques. Ben a chashabina, ben a wang do shibina, wang shi, diji le tishu, says it. Jula tishu. Ben a tishu bina, inji minji,
이듬 간다 가이네 그 티슈 외에는 다기디 켈린셔고 오르와 라테단티 다기디 켈린셔고 오리 옹슈 외에는 달라멘엔 줄소치 켈린셔고 오리 에 테나지 제네다 베나 문심 담제진 소야던 죽돔 라인이 부디 페지 로와 문심코 아니 지카소 우리 무슨 담제진 소야고 라멘엔 줄소치 고 디다우지 샤몽스다 죽돔 세야디 아니 다 티슈 세야디 아니 코 카소르다 곰자고도 다게 차선 곰자고도 티슈 사서나 다게 차선 곰자고도 다게 차선 곰바디 담자고라 다게 차선 곰이야 니르신도 다게 곰긴스신 담자고라 아니 죽돔 디디나 시르샤스 다 야스기 주발라 로바 드바 로바 드바 삼마 코 카드이네 로긴 강에 테네 로긴 강이 메디언 로그인 강이 유디언 로그인 투강 초강 친구이네 로그인 삼삼치 다 간두이다 지고 차 그래서 regardez cela regardez cela autrement par exemple dans le contexte d'une initiation là on parlera donc d'initiation du tantra de l'union incomparable par exemple lorsque une initiation complète est conférée à la suite de cela on peut dans un autre contexte recevoir ensuite un commentaire donc de la déité en question. En général, lorsque l'on reçoit en fait le commentaire donc de la pratique d'une déité, il y a l'engagement de s'adonner à la pratique donc de la sadhana, donc la pratique du manuel de méditation ou de l'autogénération, d'autres termes, de la déité quotidiennement. Alors que lorsque l'on n'avait reçu que l'initiation complète de cette déité en relation avec cette déité, cela n'avait donné naissance comme engagement que à la pratique des six sessions du yoga du maître. C'est ici en fait parallèle. D'un côté, il y avait l'esprit d'éveil, aspiration sous forme déjà de promesse ou d'engagement qui s'apparente un petit peu en quelque sorte ici à ces six sessions. Et il y a de notre côté les vœux maintenant d'engagement, donc ces vœux de bodhisattva qui donc s'apparenteraient, donc si on garde la comparaison, s'apparenteraient donc à cette pratique quotidienne donc de s'autogénérer sous l'aspect de la déité, enfin faire les différentes activités de la déité. En fait, ici on voit qu'il y a une différence. Ce n'est plus simplement que le désir de s'entraîner donc à telle ou telle chose, ce qui était le cas, en fait, le propos, par exemple, de l'esprit d'éveil aspiration sous forme de promesse, mais c'est l'engagement de s'y entraîner. Pas simplement le vouloir le faire, mais l'engagement de s'y entraîner, quoi qu'il advienne, tous les jours, même s'il y a des difficultés, quelles que soient les circonstances, etc. You all also must be thirsty. Yeah. In the initiation, they visualize. Sorry. Visualize. Tu dois bien visualiser. Donc, vous devez tous être, enfin, avoir soif, tous. Donc, faites peut-être comme on fait pendant les initiations, visualiser un grand verre d'eau en face de vous. One time, there's one teacher in Dharamsala. I think I told you already, I'm not sure. And he came to my teacher's house in the room and he brought butter. And he came and he says, I'm going to offer you this butter. And he came there and my teacher offering him some tea also, of course, as a guest comes, you have to offer tea. And he drink tea and he talk a little bit. And then after some time later, he said, okay, I'm going to leave now. Okay, and then he took the butter and he left. Anyway, it's very unusual to do that. And then evening we're having dinner. There's another geshi and my teacher, we are having dinner. And another geshi told, this geshi is very strange. He said, what happened? He also did same thing for the another geshi. He went to his room first, offered the butter, and he drank several tea, and after he took the butter. And he did the same thing to my teacher. Mm.
J'ai probablement déjà raconté cette histoire, mais c'est à Dharamsala. Un maître est venu rendre visite, enfin voir mon, est venu dans la maison de mon maître, donc est venu lui rendre visite et lui apporter du beurre. Donc lui a fait une offrande de beurre, lui a apporté du beurre et en retour, donc mon maître, comme quand on a des invités, on offre volontiers le thé, donc lui a offert le thé et donc il a bu le thé, il a discuté, etc. Et puis quand il est parti, il s'est levé et il est reparti avec le beurre, en fait. Et c'était un petit peu surprenant, mais et le soir même, mon maître avait un autre invité à dîner, et ce guichet lui dit, mais donc ils ont parlé de cet épisode, et ce guichet lui dit, mais c'est pas la première fois que ce guichet fait ça, il a fait ça avec un autre maître, et c'est pas la première fois que ça lui est arrivé. Ok. Tani ta sigdi tela bebe tenra be kadilla ma mani na tele shendom nebayi choga yanda shibarcha tela ngunsi jam bepeo avar zar jubayi. Chidhar chanchu tu geba jambayi kini sangi shin gengi doli shabadar tishin dini tibar chas. Ta dit sikdi anji kasore ta changdom layan tela anji kasore lama dengi tungne lama yobadan lama mebadan an tindegi kebar yong sikres. Yani suru tabi dombayi nani inji minji kansa na lama chitabachi ni lengu goris. Eni chanjusumbe dombatela ta lama yobatang inji minji gira chi kasore lama ranji gu yosu marzi dengi tungna dendegi toni ya suzi lengu yosu res. Ta tante di eni kasore lama mebe ondu chene sunye giditi tela bebe tendrebe kade lama manina eni kanti chakorisi nasi eni dombalenda di sunye goris. Les deux strophes suivantes nous disent avec zèle, enquérez-vous d'un tel maître, mais si vous n'en trouvez aucun, je vais exposer un autre excellent rituel pour prendre les vœux par soi-même. En fait, ici, je vais décrire la manière dont, autrefois, alors qu'il était en Baraja, Manjushri produisait l'esprit d'éveil, tel que cela est relaté dans le sutra de l'ornement de la terre de Manjushri. Ici, ce dont il est question, donc, c'est de prendre les vœux de Bodhisattva selon que le maître spirituel, un maître spirituel, soit présent ou non. En ce qui concerne les vœux de libération individuelle, les vœux de pratimoksha, il est impératif donc qu'il soit pris en dépendance, en fait, d'un maître spirituel, en présence devant un maître spirituel. Par contre, pour ce qui est des vœux de Bodhisattva, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de maître, quand on n'en trouve pas, quand on n'a pas dans notre entourage, etc., de maître spirituel, il est possible à ce moment-là de faire autrement. Donc, tu as dit, 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 tu geba na shincheni ta lama mebe ondu chede tu geba na shincheni ta dole tende sun yoba indi ko shiju yosa shiyo deriz chinus me jambe de bel charge. Atisha indique bien ici que c'est encore une fois ce qu'il va indiquer, ce n'est pas lui qui l'a inventé, qui l'a imaginé. Il s'appuie en fait sur ce qu'il a lu donc dans le sutra de l'ornement de la terre de Manjushri, qui relate en fait ce passage durant lequel Manjushri, donc n'ayant pas autour de lui donc de maître spirituel, a pris donc les vœux de Bodhisattva donc tout seul. Donc, antérieurement. Donc. Mm-hmm. Sanji, Shinji, Gengi, Kuba, Tumbe, Do.
아니 도지 도딜란지 가서 상기 싱담이데기 텐데기 안지 가서 우리 세시뇽이 도지서 도디낭로라 안 천주 선바 잠베 아니 라마메나양티 온도 체네 천주 돈바송베티 루규디 도디낭 퉁고레스 Atisha, donc en fait, en faisant cela, cite sa source, en fait, montre l'authenticité en fait, de ce qu'il va avancer, de ce qu'il va dire. Et cette source, donc, il l'a trouvée dans ce sutra de l'ornement, un sutra de l'ornement qui peut évoquer donc, différentes terres donc, de Bouddha, en particulier ici cette section donc, du sutra de l'ornement de la terre de Manjushri, qui relate en particulier donc, cet épisode de la vie ou d'une vie antérieure, donc, durant lequel celui qui allait être Manjushri donc a pris seul ses vœux. Ani da dine da dombang dombang we lembala thambu simge gore simge ba de karesna ani gombu namgi chenga ru zo bi chenju simge jing joba thamje jendu nir teda kowale joba us da dine indu da teda wi ani ji kaso ri dengi tungi ne da do tendi tungdu ni lana mbayando zobe simjin tamji ana sanji koban kaso gogi simjin sanji chidu jo simjin du sanji koban topgi simjin no kowale chowa chigi ani kaso urata dowa nam juendu nirwas diyen kechin buchirishi di tsik pechu chayadi juendu anzu juen yilamna kola Jön yilamna kola chikarso re tin soba soji chegugo re tin temba dan tin soba mena nge jumbu insayagi nezu dilig marwa tindiji nezu chi chochi ne eni chikarso re kola susu juba jilebayna kola unconditional soji chegugo rwa tindu indu tin temba tin soba The beginning of unconditional sick, the Missy Yomada, the Digitone, and in the Karatoris, and in Duanam, and in Dungele Turba, Gunjung Le Turba, and in Gunjung is our Mariba Le Turba. The Rochasan Chevu was the Jubidil. Ensuite, le texte nous dit « Devant tous les protecteurs, je produirai l'aspiration à l'éveil parfait. » Et il est dit « ici on a « Je prends en charge tous les êtres et les libérerai tous du samsara. » Par ce terme, en fait, de prendre, qui est rendu ici par « Je prends en charge », en tibétain, il y a cette idée en fait de comme recevoir des invités quand on a des hôtes chez soi en fait voilà donc je prendrai soin de mes hôtes c'est un peu cette idée bien que il y a bien le mot de tous les êtres donc ça certes mais c'est plus dans le verbe ici c'est je prendrai soin en fait on pourrait dire à ce moment-là des êtres mes hôtes en fait donc ici il s'agit donc de prendre les vœux de Bodhisattva. Pour ce faire, dans un premier temps, il faut que s'élève, que soit d'ailleurs que ces vœux soient pris en présence d'un maître ou non. Donc il faut que s'élève d'abord en nous l'esprit d'éveil, donc ce désir de vouloir nous-mêmes absolument parvenir à l'état de Bouddha pour être en mesure donc de libérer, donc comme il est dit ici au minimum, donc tous les êtres pour les amener à la bouddhéité. Et donc comment considérer ces êtres, pas simplement comme des êtres, dans cette notion de hôte, quelque part, d'invité, si vous préférez, il y a cette notion, quelque part, de bonté. C'est-à-dire, on éprouve le désir de leur témoigner notre gratitude, notre reconnaissance. En fait, en prenant conscience de leur bonté, on veut manifester quelque chose à leur égard. C'est tout ça qui est dans ce terme ici. Et en fait, c'est comme un traitement inconditionnel qu'on leur réserve, en quelque sorte. Et donc, quel est ce traitement justement inconditionnel? C'est de les amener à se soulager, en fait, à se débarrasser de leur souffrance, à s'affranchir de l'origine de leur souffrance et en amont d'elle, donc à se libérer complètement de leur ignorance. Donc
Lorsqu'est ainsi, donc dans le décours du rituel, lorsqu'est ainsi engendré donc l'esprit d'éveil, ensuite l'on en vient en fait pour pratiquer en d'autres termes, pour mettre en place en œuvre un tel esprit d'éveil, on en vient à appliquer les différentes formes d'éthique, qu'il s'agisse de l'éthique qui consiste à s'abstenir des actions non vertueuses, qu'il s'agisse de l'éthique qui consiste à réunir les actions bénéfiques ou vertueuses, et qui ou qu'il s'agisse encore de l'éthique qui vise à être bénéfique à autrui. Et ça, c'est exactement ce que nous indiquent les deux strophes suivantes. La nécessité se faisant ensuite de préserver coûte que coûte ou d'appliquer cet esprit d'éveil par le biais de notre éthique. Malveillance et colère, avarice et jalousie, à partir de cet instant et jusqu'à ce que j'obtienne l'éveil, je n'y céderai point. J'observerai la chasteté et je rejetterai fautes et désirs. Observant avec joie les vœux d'éthique, je m'exercerai à la suite du Bouddha, sur les traces du Bouddha. Da tunda durduna ni kuni nar sembas da konju be dani semba ani enta konju da di konju se di I lose my temper, says Kalore. The color of Kondru. If you take Bodhisattva vow, then you are not allowed to upset. I'm not sure we can control upset. We can be upset. but here, this anger, you know, basically, of course, upset, frustration, anger, you know, first upset, then frustration, then anger, you know, it can build up. But, and over here, that what you are committing is, I think, is not never ever. I'm going to be upset. I don't think so. I'm not sure. and frustration, anger. The pity, anger. The demo de sejora pige. Anger de la nusim tos dedeores. Nusim tos deding it. I want to teach lesson like that. Thermodynamics.
Il s'agit donc ici de la colère, donc enfin on y fait allusion en tout cas en premier temps à la colère. Il y a cette expression, par exemple, on dit je me suis emporté, par exemple. Je ne pense pas, en fait. Alors, d'abord, c'était lorsque vous prenez les vœux de Bodhisattva, en fait, vous n'êtes à partir du moment où vous prenez les vœux de Bodhisattva, vous n'êtes plus autorisé à être agacé ou à être irrité. Et en fait, je ne pense pas justement que ça se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que il y a d'abord un niveau d'agacement, d'irritation. Il y a ensuite un niveau de frustration, et ensuite, en dépendance de tout cela, s'élève la colère. Il y a de la colère. Et je ne pense pas, en fait, que prendre les vœux de Bodhisattva, je pense qu'il est difficile d'abord de contrôler justement l'irritation, l'agacement. Mais je ne pense pas que prendre les vœux, que quand on prend les vœux de Bodhisattva, on s'engage en fait à ne plus, ce à quoi on s'engage, c'est à contrecarrer la colère, à ne pas se mettre en colère. Je ne pense pas que l'on s'engage à ce niveau-là à ne plus être irrité, à ne plus ressentir de frustration. La colère, par exemple, implique une certaine note de malveillance. Dans la colère, il y a quelque part cette pensée qui pense en pensant à l'autre. Oui. je veux lui donner une leçon, en fait. C'est pas tout à fait c'est pas un sentiment de vengeance, c'est pas si formé que cela, mais c'est je veux quand même qu'il s'en souvienne et je veux quand même lui donner une leçon par rapport à ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, etc. Donc ta tande tsik dinala kongru che ani senla che chagdo che ani kado nusim che nusim chubisim yidans nusim che chubisim che senla che chagdo shidwa Nusimji, Truisim. The Truisim, the Nusim, the Truisim, ni, and the Kabar Chigdua. Pour dormir dans ça. Mais je suis dans le jour. Je suis dans le jour. Je suis dans le jour.
zimbal shen de lengi ki zimba dan gunda ki zimba ni shen gor wa lengi se ji ji shu ji gunda ki nisen to troll kebor do mi de shen shi kyanzu ji shi tu ji ji Peut-être que je ne vais pas élucider ici la différence entre la malveillance et la colère. Essayez peut-être de réfléchir à ça dans le groupe de discussion tout à l'heure. We are experts. Don't be speechless. Disturbed lamsang ko gyumze mangbu deje ke mena ya tende gi lo shuk chambu chik tat tell the leji ngazo ko linki gi sorchi ko gen chun chun chi ko lamsang ya get get wa chi ko chi gi gyumze dan deje na tende ke samu ke tamu wa chi Music top to Shubain, Susulchik, Lula Nova, Nala Nova, Yel Never, Total Chumbaina. The counter just so nigger Dawuras, your the caper chick chick did the Gumzen, Goba, Dan, Deshemanguji, co Dingness, Banashi, Nursim Joro, could similar Dingness in pursuit, Contrish. Chick Contra de Troa de Colubro research. Top top. ko gyumzen deshe mangbu samna dang tende ke mi ge chun chun ji ko lamsa ta pena ben medo ji na medo ji ba ni mechik ko tsa dang ga kambu yu de ko lamsa par su su sha go ro de tro so ti che ani nesum se ya de ta ko ji pi ge medi chu sanum chu ani ko me ba ya gi ze de zu lu an tende ji me ba ya chung go ro Chick, true chartop. Napsim de jaggy chartop. Bene Napsim de jaggy chartop. Tosum the jarring do. Chick de jaggy chartop. Chick country chartop. Sharangurva. That Chidanchena, Nusim de co gimsim, which is some Gundaka sources among which is a toy combat watch. The toy said the co lu, corangshin, co, linky, such a corangson, lubut lamsa, contra such. The me really knew good, me rig chick. Kongru hob dgal gyom salam san sa glam ma shi do ni chi mi rig chi kongru lelaw ma sa chi kali ani ko chik sa suna ani kinu kongru lelaw ma shi ya chi de ne sem gi tende gi ta komba chi jun da tende ke ba yo si ru wa tende tro wa da da tro wa da ne sem ni bu de tende jin san ris Peut-être en fait, si l'on fait la différence, si l'on cherche à distinguer en fait la malveillance de la colère, on pourrait par exemple
regarder cela. Quand on parle de la conception du soi, on parle d'une conception innée, d'une conception acquise, donc acquise intellectuellement, par le biais de raisonnement, etc., contrairement à une conception innée qui s'élève spontanément à l'esprit. On pourrait donc comparer, en fait, ici, la malveillance, justement, à ce type de conception innée, par exemple, du soi. L'idée ici est que la malveillance est une action mentale, une pensée, finalement, qui va s'élever à la faveur de nombreux arguments. En fait, c'est quelque chose qui va s'élaborer, qui va se bâtir, qui vient de loin, en fait, la malveillance. Et c'est parce que l'esprit va repenser, il m'a fait ceci, il m'a dit cela, il m'a fait ça comme ça, il avec tel talent de voix, etc. Et c'est parce que cela, c'est quelque chose qui vient de loin, qui se nourrit et qui se manifeste. Parce que voilà, c'est quelque chose qui a été bâti, qui a été construit, en fait, étayé de beaucoup d'arguments. La colère, par contre, est quelque chose qui ressemblerait donc à la conception innée, soit en ce sens, enfin, dans l'analogie, bien sûr. En ce sens que la colère est quelque chose qui s'élève spontanément, en fait, qui ne demande pas beaucoup de temps pour s'élever et qui ne demande pas beaucoup d'arguments, qui ne s'appuie pas finalement sur énormément d'arguments. Simplement une ou deux conditions suffisent en fait à l'émergence en fait de la colère. Peut-être regardez-le avec l'exemple d'un feu. Un incendie, par exemple, va s'embraser enfin, au contact de d'un sol extrêmement sec ou de brindilles, en fait, d'herbes extrêmement sèches. Par contre, lorsque les choses ne sont pas, enfin, les conditions ne sont pas aussi sèches, etc., il faut préparer pour faire un feu. Il faut mettre du bois, il faut allumer du petit bois, etc., mettre de l'essence dessus, et c'est en vertu de cela que le feu prend. On pourrait voir la différence entre les deux ainsi. De la même façon, regardez au niveau des, on pourrait dire des caractères donc des uns et des autres. Certains vont être ce qu'on va appeler soupolés, c'est-à-dire ils vont s'embraser immédiatement et ça va retomber aussi sec. D'autres, au contraire, vont mettre du temps à s'emporter, mais après ils ne lâchent pas une fois qu'ils s'emportent. Par contre, ils tiennent bon. Tende tamja di shakwa ina tamja di top ki digwa thagya la peya dang
digbe kin nyung du dwa la pingi yo yin de digba thaya la digba thaya la top cha ba dang digbe kin nangi kin nyung du dwa ya pendo cha yo yin de tamja ti chigo so res tin na chi chi ne kap de yang chen ju sun be dong ba de ge da kong du gi me za wa ni tamja che ya di tamja ti top gi ani kong du gi ya ge nangi kin nyung du dwa ta Quand on m'a dit que je suis un peu de temps, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je Dans cette strophe, en fait, ce qu'on nous demande, en fait, de nous engager à Tisha, c'est à nous opposer, en fait, à quatre de ces facteurs mentaux, qu'il s'agisse de la malveillance, de la colère, de l'avarice, de la jalousie, que l'on peut regrouper, finalement, sous le coup des deux grands facteurs principaux, que sont, pour la malveillance, la colère, qui relève de la colère, de l'aversion et de l'hostilité, et pour ce qui est de l'avarice et de la jalousie, qui relève de l'attachement. Donc, en d'autres termes, ce à quoi on s'engage ici, c'est que, de cet instant, jusqu'à ce que je parvienne au cœur de l'éveil, donc afin d'être bénéfique à l'ensemble des êtres, je ferai en sorte que mon esprit donc, ne cède pas à la place, à la colère ou à l'attachement. Ici, il s'agit en fait d'un engagement mental, c'est une promesse en fait que l'on scelle mentalement. Mais néanmoins, on pourrait être quelque peu dubitatif, de même que lorsque l'on applique les quatre forces d'opposition de la confession, lorsque notamment, lors de la dernière force, la force de la détermination, on s'engage à ne pas réitérer une telle action. On promet, en fait, de ne pas recommencer un tel acte. Et là encore, on peut avoir quelquefois certains doutes, donc, quant à sa capacité de ne pas réitérer telle ou telle chose. Pour ce qui est des actes physiques et verbaux, donc des actions que l'on mène par le biais de notre corps, notre parole, ça, c'est à peu près contrôlable, on peut arriver à se débrouiller avec cela. Pour ce qui est en fait des actes mentaux, finalement des pensées, comment arriver à les contrôler? Notre esprit est sous l'emprise donc de nos émotions perturbatrices et comment finalement être certain, encore à 100%, donc de ne pas ou réitérer tel type de pensée ou s'adonner ici donc à la colère, à l'attachement alors que l'on a pris de tels vœux. Je pense que ce qui importe ici, c'est que par la force justement de cet engagement mental qui est pris au moment où sont pris donc tel vœu ou sont faites cette promesse par exemple lorsque l'on engendre la force de la détermination, je pense qu'ici il y a un engagement mental qui est scellé et par la force même de cet engagement mental va purifier quelque part ce potentiel non vertueux donc accumulé enfin correspondant et va même tendre à atténuer les conditions intérieures donc non propices, défavorables. Donc non seulement en l'occurrence ici donc dans le contexte de ces états d'esprit, non seulement le fait de s'engager donc en ce sens à ce que ne s'élève pas tel et tel facteur perturbateur, tel et tel facteur perturbateur. Non seulement cela va nous permettre de diminuer donc les conditions internes défavorables, donc propices à leur survenue en d'autres termes, mais au contraire même favoriser la réunion donc de conditions plus propices qui nous aideraient justement à mieux contrôler en quelque sorte cela. Page 90, s'il vous plaît.
259. Bien qu'il soit le Père qui a engendré tous les conquérants en tant que fils de vainqueur, il a souhaité diffuser les enseignements du victorieux dans des mondes infinis. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Quand jadis, devant le Bouddha Indraketu, il s'est solennellement engagé, le conquérant et ses enfants ont loué la force de son courage. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Afin de répandre la lignée de la vue et de la conduite pure, il offrit au sage un chapelet en perles de cristal blanc et reçut de lui une conque et une prophétie. Par cette vérité, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Sa vue pure ne tombe pas dans les extrêmes de l'éternalisme et du nihilisme. Sa méditation pure est dénuée de mollesse, de torpeur et d'opacité mentale. Sa conduite pure respecte fidèlement les paroles des conquérants. Puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Érudit pour sa soif de connaissance, vénérable pour la juste application qu'il en fait, bon pour son dévouement aux êtres et à la doctrine, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Certain que tous les enseignements définitifs et interprétatifs sont sans contradiction des conseils pour une pratique personnelle, il a mis fin à toute erreur de conduite, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. En écoutant les explications sur les trois corbeilles, il a réalisé les enseignements, la pratique des trois entraînements. La biographie de cet être habile et accompli est remarquable, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Extérieurement, calme et soumis à la conduite, intérieurement, confiant dans la pratique des deux stades, il allie sans heurte les justes voies des sutras et des tantras, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Associant la vacuité expliquée comme véhicule causal à la grande félicité obtenue par la méthode du véhicule résultant, quintessence des 80 000 volumes d'enseignement, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. Par le pouvoir d'un océan de protecteurs de la doctrine liée par serment, tels les gardiens principaux des trois types d'êtres, le Seigneur prompt à agir Vajravana, Karmayama, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. En résumé, par la longue vie de nos illustres maîtres, par la présence sur terre d'une quantité de vénérables détenteurs de la doctrine nobles et instruits, et par le pouvoir croissant de ses bienfaiteurs, puisse la doctrine du victorieux Losang se développer. On passe à la page 92-92. O ganera we kar we jinkam di pendande wa malunjo we ne chen re zi wan ten zin ya tsu
Pour ce qui est des discussions cet après-midi, je vous invite, en vous appuyant donc sur des lamrim, donc des textes que vous aurez avec vous, à parcourir donc en ce qui concerne les étapes d'un individu de grande capacité, ce qui relève de l'éthique, donc les trois niveaux d'éthique ou les trois types, enfin les trois formes d'éthique, l'éthique qui consiste à s'abstenir des actions non vertueuses, l'éthique qui consiste à réunir au contraire les actions vertueuses et celle qui consiste à être bénéfique à autrui. Donc de regarder ça d'un côté, de regarder de l'autre côté qu'est-ce qu'on entend par les trois formes de patience, la patience qui supporte les difficultés, qui endure en fait, qui tolère les difficultés ou qui supporte les difficultés, la patience qui prend volontairement sur soi en fait les souffrances et la patience qui s'attend
tâche à supporter, donc là aussi, toutes les difficultés survenant donc, pour acquérir une certitude du dharma. Donc je vous invite à considérer d'abord chacune des trois formes d'éthique, ensuite chacune des trois formes de patience, et ensuite à les mettre en parallèle, à voir finalement quelles sont les similitudes qu'il y a entre les unes et les autres, quelles sont les différences de leurs traits spécifiques éventuellement. Pour ce qui est de la méditation, peut-être essayer de méditer sur les quatre forces d'opposition, donc comment de méditer pour voir comment on peut purifier son potentiel non vertueux. Vous pouvez pour ce faire vous inspirer par exemple notamment du deuxième et troisième chapitre, notamment sur du Bodhisattva Charyavatara, pardon, de Shantideva, donc qui ce chapitre donc qui souvent s'intitule la confession des fautes ou quelque chose comme cela. C'est un petit peu long, donc essayez de voir si vous le condensez ou pas, mais voilà, essayez de méditer sur ces quatre forces d'opposition. Et donc, comme vous serez complètement purifié, demain, on pourra envisager de façon pure la transmission consécutive donc de Vajrasattva. Attention, je vais vous terrifier là. So, anta jenang de ngamani shusava dinde inani shubatarangi mezidi nanola bumjik doji semba bumjik cheto yadi kechin budus. Va doji semba bumjik cheti. Ani tariyang ngamaji wangji shu tariyang ngamajina tariyangi jenan shuba ina ngamagi dile bumjik je tande dile bumjik dile mixe ke bumares wa tichik che ani ta saya de de ben doji sembe sam en damenda garale yore kopan ta doji sembe sam epm de nalo chozo nalo de tradition ni mangbu yore tenzu tenzu nalo zu tuba ina jo tuba ina yagodos doji sembe sam Tende machun yan kengi wangi tende digimena ani ngama dowala nge dilabuyos bomchik di ani tapena susu dosa saja chik kwa yina yan gozu sa de gozu tsasa de tsaro chis dus jene ta di ngala changzi chujirumbu chik tende sung tende china ya bor sung Then, Ganges Tavis Jungudos. Only Ta Hatsuan. Then two pocket. Then the Poyunis of them. Then, the chick said it's all the beautiful young chicky. Dainty look goes to dainty little sour chair said, beautiful young tundal dress, go Tim Dian tundal maris, beautiful young tundal dress, that didn't even be in the that Jesu young pass you coming shunge the Chichiks, Denji, Korangan, Gozu, such a Bumjik Sagi, the Benedictine Sanjis, and Benasu Kangbal Mutin Sanjis, and Chichiks, Denji, Korakan Satovache. This Satuvache and Dine and Pewachuna, Tangashini and Jio Yamavache, Tambo Mutinichi, Chinese Sana. Manta in be teaching Maluna, the England, the teaching Maluna, Pazu Dread in the Yung Sigurwa.
Pour ce qui est de la permission consécutive, donc demain, te Vajrasattva, donc pour les personnes qui ne l'ont jamais reçu, donc qui n'ont jamais pris une telle permission, je demanderai en fait que soit récité 100 000 mantras, donc de Vajrasattva. Pour ceux d'entre vous qui avaient déjà pris une telle permission, donc et reçu déjà, avaient déjà un engagement, donc de 100 000 mantras. C'est pas comme s'il fallait rajouter 100 000 mantras supplémentaires, donc vous resterez avec ce que vous avez déjà comme engagement. Je pense que ces 100 000 mantras, si vous en avez l'opportunité, il peut être bon de les faire dans le contexte d'une retraite, par exemple, qu'il s'agisse d'aller en Inde, à Copan ou ailleurs. Dans la FPMT organise de nombreuses opportunités donc de retraite de Vajrasattva ici et là. Et je pense que c'est une bonne chose de pouvoir participer à l'une d'entre elles donc pour faire cet engagement. Une autre option, si les conditions ne s'y prêtent pas, est de les faire tranquillement donc quelque part, donc ça peut être chez vous ou ailleurs, mais sur une base donc régulière, sur une base quotidienne. C'est ce que l'on entend ici par les faire sur un coussin. Ça, c'est l'engagement que j'avais reçu personnellement donc de l'un de mes maîtres, Chansa Chujan Poche. En fait, ce qu'il faut comprendre par cette notion de un coussin, en fait, c'est que ça permet de donner un cadre, et ce cadre permet d'avoir une meilleure qualité de ce qui est fait. Ceci étant, donc, certains commencer ces engagements, puis ensuite être amenés à déménager. C'est vrai que c'est aussi le lot un petit peu de notre société d'être plus mobile, de devoir bouger ici et là plus fréquemment. Je pense néanmoins que dans un tel cas de figure, ce que je vous demanderai, c'est au moins de faire 10 000 mantras sur un coussin, c'est-à-dire lorsque vous décidez, par exemple, vous décrétez de commencer cet engagement, de faire 10 000 mantras au même endroit consécutif, des jours d'intervalle peut-être, mais vous en récitez donc 10 000 sur le même coussin, c'est-à-dire au même endroit. Et après cela, donc, si vous déménagez et que vous avez déjà fait ces 10 000 au moins donc, au même endroit, vous pouvez, après avoir déménagé et réinstallé ensuite donc, vos conditions de méditation ailleurs, continuer donc, d'accumuler donc, le reste des 100 000 sur la base de ces 10 000-là. Si vous en avez récité moins de 10 000, auquel cas je préfère que vous recommenciez en fait, dès le début pour pouvoir ensuite véritablement en accumuler 100 000. L'idée toujours ici de préserver cette notion de qualité. On pourrait se dire aussi, bon, j'en ai au moins 10 000 à faire sur un coussin, donc je les fais vite pour en terminer. Et ensuite, donc, je pourrais faire ça à un autre moment. Ça non plus, ce n'est pas une bonne approche. Essayez toujours de rechercher la qualité en fait, dans ce que vous faites. Quand on parle d'un coussin, bien sûr, ce n'est pas tellement le coussin physique sur lequel on est assis, c'est en un lieu. L'expression dit un coussin, certes, mais c'est en un seul et même lieu. En fait. Donc bien sûr, vous amenez votre propre coussin ensuite, lorsque vous avez déménagé, mais on parle donc fait dans le même lieu.